Abidjan, Cocody, siège du CAP UDD, entendez CAP Unir pour la démocratie et le développement, présidé par M. Jarvin Koulibaly. C'est le lieu choisi par les responsables de la Ligue des mouvements du progrès, LMP, une alliance de 4 partis politiques, dont le CAP UDD de Jarvin Koulibaly lui-même, le MNC de Maître Caban Apia, le RPCP de Mme Henriette Lagou et le FPU du jeune Jadi Dédier, pour féliciter leurs représentants au sein de la nouvelle commission électorale indépendante après sa prestation de serment le lundi 11 août 2014 devant le Conseil constitutionnel. Monsieur Jarvin Koulibaly, car c'est de lui qu'il s'agit, en a profité pour remercier ses camarades de la Ligue pour leur confiance et a promis accomplir avec loyauté, patriotisme et impartialité cette nouvelle mission au nom du peuple de Côte d'Ivoire pour qu'à l'issue des prochaines élections, dont il a désormais la responsabilité avec ses 16 autres collègues de la CEI, notre pays, la Côte d'Ivoire, sorte définitivement du cycle des violences post-électorales. Jarvin Koulibaly, qui vient de jurer devant le Conseil constitutionnel, en toute conscience et par devoir de servir son pays, a annoncé à ses camarades de la Ligue qu'il a l'intention d'être candidat pour le poste de la présidence de la nouvelle CEI, non sans demander le soutien de tous, opposition, société civile et partis au pouvoir représentés au sein de la nouvelle commission électorale indépendante, de soutenir sa candidature. Monsieur Koulibaly, de l'Elna Gervais. Je le jure. Notons qu'à l'issue de cette cérémonie de prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, qui marque l'entrée en fonction des membres de la CEI, ces derniers seront convoqués dans les jours à venir par le doyen d'âge pour procéder au vote du président de la CEI et de ses 3 vice-présidents ainsi que des 2 secrétaires permanents. La CEI est l'unique institution qui organisera les élections en Côte d'Ivoire. Ses membres sont désignés et élus pour un mandat de 6 ans.